Et salut à tous, c'est MetteDeMetteNoGames, bienvenue les amis, bienvenue dans le 18ème épisode de Ark the Island. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, qu'aujourd'hui, vous le voyez, tout le monde est là, tout le monde est prêt. Nous allons, les amis, s'attaquer au premier boss et c'est mes T-Rex qui vont rentrer en première ligne pour voir si tout va bien se passer par rapport à ce premier boss. Donc je vous rappelle qu'on va faire la Brood Mother, donc l'araignée. Alors j'ai pas pris tous mes Rex, enfin j'ai des Rex qui sont en train de grandir, j'en ai pris une petite dizaine. Un Utyranus, un Déodon et deux Térisinons. Voilà, deux Térisinons en guise de sacrifice. Ok, tout va bien. Donc en tous les cas, les amis, on est chaud. J'ai sur moi les artefacts nécessaires. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai les trois artefacts qu'il faut. Le reste de mon armure, une arme à distance, de toute manière, mocherie basée sur le Utyranus, vu que c'est moi qui vais devoir booster les T-Rex avec le cri du Utyranus. Donc on verra comment ça va se passer. Mais je pense que ça va bien se passer, j'ai la confiance. Et puis au pire, il y a mes chers compatriotes qui pourront un petit peu canarder tout ça à distance également. Attention, je veux pas... Merci. Oh, c'est marrant, tous les piafs qui s'envolent. On dirait, tu sais, on se croirait en plein centre-ville, t'as plein de pigeons. T'as toi qui passe au milieu, t'as tous les pigeons qui s'envolent, ils vont se remettre tous derrière, tu vas voir. Ah bah attends, j'ai dû, alors attends, regarde. Bon, ok, le dernier, hop, il y a plein d'œufs de T-Rex pour ceux qui veulent. Ouais, non merci, hein, c'est bon. Ceux qui veulent. Oh là là, pour ceux qui veulent. T'as le mec qui a déjà deux stacks. Bah les gars, je me sens pas prêt là, je vais faire un malaise. Bon, tout le milieu. Bon, vous avez pas la pression parce que c'est pas vos Rex. Moi j'ai quand même tous mes Rex et tous mes cons qui sont là quoi. Alors attendez, il faut juste que je gère les sifflements. Parce que là, non. Alors, je joue une emote. Coucou. Alors, il fait peur, là, le blanc là. Siffler, attaquer ma cible. Alors, est-ce qu'ils sont tous en attaquer ma cible? Passif, passive. C'est quoi ces sifflements de merde là? Non, c'est attaquer. C'est à droite, hein, il me semble. Siffler, attaquer ma cible. Pas attaquer cette cible. Ah, j'ai mis attaquer ma cible. Mais c'est bugué alors. Mais pourquoi ils veulent pas attaquer ma cible là? Passif. Bon, on va tous les faire. Mais ça veut dire que si je fais. Attends. Non, ton sifflement c'est à côté de la majuscule à droite. Ah ouais, mais souvent ils sont buggés les sifflements. Si par exemple là je fais me suivre tous, tu vois, il y en a qu'un. C'est ton clavier, à mon non, avis. Mais qui non, non, mais non, mais je vais dans le menu des sifflements, mec. Ah, non, je peux finir directement à la touche. Alors attends, hop, étrange. Ok, les sifflements fonctionnent, ça c'est déjà une très bonne chose. Alors il va falloir que je mette en passif. Est-ce que je fais attaquer le Déodon? Non. Non, je pense pas. Mais le Déodon, il mettra où, en fait? Bah, le Déodon, il va faire chier. Il va clair. Est-ce que j'ai fait une selle pour le... Oui, le Uternus, il a une selle. Ok, vous êtes un peu gros, messieurs, là. Jesse, bouge tes... Merci. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est chaud? Tout le monde est chaud, ouais. Tout le monde est prêt. Ok, moi pas, mais c'est pas grave. On va y aller, écoutez. J'aimais bien quand on faisait des petites backups avant, des petites saves, comme ça on était... Ouais, là, pour le coup, il n'y a pas de save avant, donc si on perd tout, on perd tout. Ouais, tu veux pas un rebrief pour tout le monde, la strat Alors, la stratégie, on va... Alors, pour faire un récapitulé, nous allons spawner dans l'arène, nous allons tous nous diriger, quand on est face à la Brood Mother, sur la droite. Ensuite, on va essayer... Non, mais merci de pas mettre le bordel, non, ici. Oh, putain, tu remanges ta merde, s'il te plaît, tu remanges. Voilà. Donc oui, on va se diriger sur la droite. Et comme ça, la Brood Mother va tomber du pont. On envoie les T-Rex dessus. Enfin, j'envoie les T-Rex dessus du coup. Et après, une fois que les T-Rex attaquent la Brood Mother, on part sur la hauteur. Il y aura quelques petites araignées à liquider. Les araignées seront level 400 et la Brood Mother sera level 124. Ça vous va? Je vais aller aux toilettes. Non, c'est parti. C'est quand qu'on arrive? Attention. Tout le monde a lancé son record. Tout le monde est chaud? Oui. Attendez, j'ai des selles en trop sur moi, je vais les mettre dans mon Utyranus. Voilà, bah, finalement, voilà, on a lancé le record et ça sert à rien. Ah merde, au lieu de cliquer sur l'obélisque, je suis en... Ah, je suis dans mes T-Rex. Attends. Tout va bien se passer. Attendez, je dois aller remplir ma gourde. Elle est vide. J'arrive. Allez, donc, heureusement qu'il fallait être à l'heure, hein, parce que... Ouais. Ah, c'est vrai que j'avais... Attends, c'est une femme, c'est pour ça. Eh, Yoni, il y a un beacon bleu, hein. Ah bah attends, je vais aller pendant ce temps là, il lance. Peut-être encore avoir l'atelier, je croise les doigts. Peut-être le bocal d'eau cette fois. Oh, ouais. Bon, cette fois on est prêt, on est chaud. On est d'attaque, le Déodon. Ah, le Déodon, il a des levels à monter. Tiens.
C'est quel? Ok, allez, on est ready. Ah, attendez, je dois mettre mon déodorant passif. En passif. En... Oh là là. Ah bah écoutez, ah, un combat, une guerre, ça se prépare, mes amis, ça se prépare. Alors, ouais, activez la guérison passive. Voilà, tout est prêt. Bon, allez, on est prêt, on est chaud. Bim, bam, boum. Let's go. Oh là 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 là. On va tous mourir. Et maintenant, c'est qui va bugger. Non, là, ouais, alors, il y a des fois, c'est possible que vous soyez pas TP, et il y a un truc qui est encore plus drôle, c'est le coup de moi qui arrive pas à monter sur l'U Tyrannus. Parce qu'il va falloir que je monte sur l'U Tyrannus une fois que j'aurai spawn. Bon, normalement, il est facilement. C'est drôle. On arrive quand Le suspense. Allez. C'est quand qu'on arrive. Dans maintenant. C'est parti. Oula. Oh non, je suis au-dessus. Oh putain. Waouh. J'ai peur. N'allez pas n'importe où, hein. N'allez pas n'importe où. Suivez les Rex. Y'a plus le pont. Oula. Ils ont enlevé le pont. Ces salauds, ils ont enlevé le pont. Ah, nouvelle technique. Merde, le Tyrannus, il est en plein dedans. Vite. C'est bon. On se met où? D'accord, on se met là-bas. J'arrive pas à crier. Je suis complètement bugué. Wow. Oui, on tire ici. Ah, c'est bon. Vas-y, demi-tour. Ouais, du coup, c'est galère pour dire de. Moi, je vois pas du tout l'araignée. Hein. Non, t'as pas à la voir, tu t'en fous. Elle est, ouais, tu auras juste la barre verte qui diminue à grande vitesse, c'est tout. Ouais, mais j'ai envie de lui mettre des balles, moi, la mort. Il y a pas de T-Rex en sang, donc c'est bon. Oh, la Broodmother, elle perd tellement vite sa vie. Elles sont level 500, les petites araignées en plus. Putain. Ouais, parce qu'ils ont parlé d'un rééquilibrage en vrai. Oh là là. Sur le côté, j'arrive à la shoot, hein, là. Non, mais cherche allez pas la shoot. Allez, elle est bientôt à la moitié de sa vie en moins. Putain, la vache. Waouh. Pour l'instant, j'ai pas perdu de Rex, hein. Pour l'instant, j'ai rien perdu. Mais pour le problème, c'est que les Rex, ils attaquent aussi les petites araignées, ils attaquent pas forcément la Broodmother. Vous avez le brouillard et tout aussi? Non. Ouais. Un petit peu, ouais. Ouais, il y a des fumigènes en début. Oh, bah ça oh merde, va, y a plus de cris. Allez, crie. Voilà. Oh là, ça va faire mal. Oh là, ça va faire mal. Allez. Oh, mais easy, les gars, easy. J'ai pris que 10 T-Rex, quoi. Oh, magnifique. Oh, je vous aime, mes bébés. Oh, mes bébés, je vous aime. Allez, mes bébés. Allez, mes bébés. Allez, mes bébés. C'est mes bébés à moi. Moi, je fais que 2 cris. Bah, attends, on l'a fait en easy. Attends, tu veux qu'on la fasse en hard? Allez, bientôt. Ouais. Magnifique. Alors, attendez. Vite, allez au cadavre. Pam. Alors, dans l'inventaire. C'est bon, j'ai les pièces tech. Et j'ai le trophée. Alors, celui qui fait le boss, il prend le trophée à chaque fois. Comme ça, si après on fera avec les Rex à Jesse, c'est lui qui prendra le trophée. Quand on fera avec Yoni, ce sera Yoni qui prendra le trophée. On fait comme ça à chaque fois. Et ben, du coup, ça fait quoi si on l'a tué? Et on n'a pas perdu un seul dino. Même mon Déodon, je sais pas où il est, mais il doit être vivant. Même le Déodon, je crois qu'il est vivant. Bon maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Regardez si vous voulez. Des flèches, désolé, Mathé. Ceux qui veulent de la cheating, ceux qui veulent des. On peut pas la taper, elle? Oh putain, et par contre le Teresino, il est en sang. Ah ouais, Teresino, mon Déodon, regarde la gueule de mon Déodon. Et le Teresino surtout quoi, putain. Ouais bah mais les T-Rex ils ont même pas une trace de sang quoi. Ouais non, c'est... Ouais. Excellent. Bah GG. Bah finalement c'était plutôt facile, j'ai envie de vous dire. Mais vous voyez quand je vous dis que c'est les T-Rex qui... Oh merde, ils sont tous en suivi. Pas bouger tous. Non, pas bouger tous. Ok. Bon, je vais les laisser ici pour l'instant. Ouais, le temps qu'ils se healent. Et je les rangerai plus tard. Bon, bah c'est cool. Finalement, ouais, quand je vous disais que c'est les T-Rex qui font tout, c'est les T-Rex qui font tout. Hein. C'est... Bah, littéralement. Ouais. Et le Tyrannus avec le boost, waouh. Bon, au début, je galérais un peu parce que j'essayais de faire fuir les petites araignées. Ça marchait pas. Elles fuient pas. Mais bon, c'était pas plus mal. Et ouais, alors ils ont rééquilibré la salle. Donc la Broodmother, effectivement, elle est plus facile à battre. Elle a un peu moins de vie. Par contre, les petites araignées, elles sont quand même level 500. Avant, elles étaient level 400, c'est pas... Mais simple question, du coup, le Doédon, en fait, il est en train de heal ou ça se passe comment, en fait? Je sais pas où il en est, là. Le Doédon, là, il est au bout de sa vie. D'accord. Là, il est au bout de sa vie.
Bon bah c'était cool, GG les gars. Et puis bah dès que Jesse, Yoni, Starkey, n'importe qui est prêt pour faire un boss de votre côté, vous criez et puis on est go. Moi je vais soigner mes bêtes et puis on se le refera sous peu en live ou comme ça. Très bien, je suis prêt. GG à tous. GG. Bon les amis, j'ai une petite surprise à vous annoncer. Alors premièrement, on a récupéré le trophée, on a récupéré également la bannière, donc on va poser déjà tout ça par chez nous. Alors la bannière, je pense qu'on va la mettre par ici. Voilà. Bim. Oh yay. On déplacera tout ça par la suite si jamais. On pourra même mettre sur le pont à la rigueur, ça sera joli. Donc on a récupéré pas mal de trophées, on a récupéré les 10 pièces tech, donc ça c'est cool. Le petit chapeau de sorcière, on va le garder ici en attendant. Bon ça, à chaque fois que je remourrai, il y aura le chapeau. Mais j'ai, comme je vous l'ai dit, une petite nouvelle à vous annoncer, les amis. On refait le boss. Yoni est prêt pour faire son boss, donc écoutez, on va chez Yoni. Et c'est parti. On va aller taper du boss pour la deuxième fois d'affilée. Direction chez Jesse pour aller taper le boss une deuxième fois. Allez, oh, putain. Pan. Vache. Ouais. Il a coulé. Et sur scène, il a gagné l'XP. Magnifique. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Au niveau des artefacts. Oui, bah quoi? Ah, il faut les trois verres. Sauf le... Chasseur. Sauf le verre. Chasseur, sagesse et... Colosse. Exactement. Ok, j'ai tout. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un beacon qui pop. Eh ben, écoutez, on va enlever les beacons à la ronde et puis il y en a un qui va pop. Yama. Voilà. Chouette, je prends les bleus. Je prends les verts. Oh là là, on dirait que je suis attendu, Mitsu no Game s'est attendu au beacon. Oh là là. Aïe. Donc alors, ça se passe comment? Ça se passe comme ça se passe. Écoute, on essaye de... Oui, je pense qu'on prend. Tu mets les artés. Tu mets les artés dedans et normalement, t'auras... Attends. Oh, il est déjà le doué donc. C'est ça, après tu pourras cliquer dès que t'as mis les trois dedans. Tu pourras cliquer sur la broude. Ah, donc c'est pas là. Oh là là, le chapeau de sorcière. D'accord, ok. Dis donc. On est chaud. Je me demande comment tu l'as eu. Ok. Allez. Tout le monde est ready? Tout le monde est ready. Je sais pas. Ready. Yep. Ouais, moi je suis trop tard. On arrive bientôt. Pourquoi c'est pas parti? Parce que t'as pas cliqué. Je clique. Bah si, je clique. Voilà. Ah voilà. Je peux fermer le beacon là, c'est bon? Non, laisse, tu touches. Je laisse. Attends. Tu vas pas encore faire le truc au dernier moment. T'es fou. Un bocal d'eau. Ah bah oui, bah je sais que c'est annulé. Je vais pas laisser ça dans le beacon. Bon, faudra que je trouve vite le Utyranus alors. C'est tous fat. Tu sais déjà où le Utyranus? Pas du tout. Tu cherches un T-Rex à poil. Le seul T-Rex à poil. À poil. Un T-Rex déguisé en poulet. Ok. C'est bon? J'ai pas été TP. J'ai pas été TP. Bon bah amusez-vous bien les gars. Elle est là-bas, elle arrive. Jessie. Fais siffler sur le Brutmother. Oui bah je peux pas. Je suis bloqué. Allez Jessie, montre-nous. Ils foncent tous. Je prends le bocal d'eau du coup, hein. Il est toujours là. Ah bah, c'est bon, l'Uternus est là. Au moins t'es pas venu pour rien. Je peux pas accéder au beacon. Le Uternus, ok ouais. Ah nickel. Bon. Étrange. Bon, bah GG pour cette victoire, merci pour les pièces, comme ça je les mets toutes ensemble et puis on se craftera le crafter dans la foulée dès qu'on aura les 75 pièces nécessaires. Ça en fait déjà 20, hein. 20 déjà. 25. Ouais, au total on en a 20, 2 x 10. Mais ça viendra, bah GG à tous. Ça va vite, hein. Et bah GG. GG. Oh yay les amis, j'espère que ces petites séquences vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Ark. En tous les cas, c'est cool, on a commencé les boss. Donc maintenant, on va pouvoir enchaîner avec la suite des autres boss. Et oui, il va falloir entraîner ces petits gaillards là qui viennent de naître d'ailleurs. On les entraînera, ne vous en faites pas. Mais c'est cool parce que maintenant, vu que j'ai des kibbles de tout, je peux faire des stats bonus à 100%. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, malgré que ça prend quand même du temps à tous s'en occuper. On est plutôt content. Bien, en tous les cas, les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous dis à bientôt tout le monde. Tchouk. Ciao. Oup, bye bye.